Salut à tous et à toutes, c'est Narco et on se retrouve pour cet épisode 15 de Pokémon version bleue. Donc on a eu droit à un gros fail dans l'épisode précédent du fait que on n'ait attrapé aucun Pokémon et qu'on n'ait eu aucune CS, aucune rien du tout. Donc on s'est fait un petit peu une session Park Safari de 10-15 minutes je crois pour rien du tout. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais allez, on va se rattraper cette fois-ci en essayant de se faire ça bien. Allez, bienvenue au Parc Safari. Ouais, 500 Pokédollars, c'est quand même beaucoup, hein, tu imagines? 500 Pokédollars. Mais bon, moi comme je suis blindé de thunes. Et j'ai les Safari Ball, très bien. Saluté. Alors, c'est parti, hein. On va essayer de se refaire ce Parc Safari dans les normes. Sans se précipiter, voilà. En essayant d'aller au bon endroit directement, sans perdre de temps, sans perdre nos pas, sans rien du tout. On a déjà attrapé pas mal de Pokéball. Enfin de Pokéball, ouais, les Pokéball qu'il y a un petit peu dans la nature là. On a déjà eu pas mal. Donc ça fait que on n'aura pas besoin de faire des allers-retours comme ça pour rien pour aller les chercher. Donc on économisera 10 pas par-ci, 10 pas par-là, donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Je pense que j'ai été clair. Killer est concis. Et circoncis. Non, pas circoncis, c'est dégueulasse. Fuite. Un Nidoran mâle, ça m'intéresserait. En l'occurrence, un Nidoran femelle, j'en ai déjà un. Bon, on avance plutôt bien. Il nous reste... On a perdu 110 pas. Enfin, perdu, non, on les a pas perdus, puisque c'est à bon escient. Oula, bim, là, voilà, j'ai fait un petit fail. 9-9. Un fail ou pas, voyons voir si ça nous est bénéfique. Safari Ball, direct. Bon, il se libère. Ah pas, tiens, prends la pas. Il mange. Pendant qu'il mange, il est occupé. Moi, je vais relancer Safari Ball. Continue à manger, je vais relancer une Safari Ball. Il mange, tiens. Mange encore. Ball. Safari Ball. Oh non! Je me demande pourquoi ça fait ça. Des fois, ça manque le Pokémon, carrément. J'ai trop donné à manger ou quoi? Tiens, regarde. Voilà. Une grosse libia. Hein. C'est pas possible de manquer le Pokémon comme ça. Caillou. Tiens. Ben, prends ça dans ta tête. Oh mais non! C'est complètement abusé ça. C'est complètement abusé. Bon. Eh bien écoutez. Tant pis. Allez là, on fait pas de détour. On monte directement où est-ce qu'il faut pour aller chercher notre CS. Et par la même occasion, la dent d'or qu'il faudra redonner à notre cher monsieur Ramolos. Un aéromythe! Ouf, c'est moche. Mais c'est un bon Pokémon. J'aimerais essayer de l'attraper, celui-ci. Et pourquoi, voilà, l'aéromythe, je l'ai capturé en deux temps, trois mouvements. Alors que 9, non, ça veut pas. C'est complètement cheaté. Franchement. C'est pas que je suis nul au Safari, au Parc Safari, du coup. C'est que vraiment les Pokémon, enfin surtout le 9, se fout complètement de ma gueule. Littéralement quoi. Bon. C'est pas grave. Voilà. Alors là, on arrive. On arrive là où je pense. Et là, Marco obtient dent d'or. Wouhou. Oh, encore une Pokéball, les B. C'était 32. C'est quoi ça? Objet. C'était 32. Non. Ça, j'ai pas besoin. Oh. Reflet. Non. Je la prendrai peut-être à un autre Pokémon, mais pas maintenant. Bon non, monsieur. Ah, quand même. Tu es le premier à découvrir la cabane secrète. J'avais peur que personne ne gagne notre prix. Félicitations, tu as gagné. CS3, qui contient donc... Surf. On va le tester de suite.
objet CS3. Sœur, va prendre surf un Pokémon. Oui. À Tortank. Et on va lui enlever son attaque qui sert à rien là. On va lui enlever écume. Voilà. Alors, Pokémon, Tortank, Surf. Quoi? Non, un nouveau badge à Rocky. Oh, je peux pas faire Surf! Parce que j'ai pas eu, je crois, le badge à Safrania. C'est complètement abusé. Bon, du coup, il nous reste combien? 140 pas. On va rester ici. On va tout faire pour essayer de trouver notre neuf. Nidoran. Non. Je ne veux pas de toi, Nidoran. Moi, je veux un neuf. Ouh, Rhinocorn. Appa. Boule. Il s'enfuit. Boule. Il y va, caillou. Rhinocorn, il sort rien, je crois. Ah si, boule. Ah bah il s'enfuit. Tant pis. Combien de pas me reste-t-il? 111. Ça me laisse quelques chances pour trouver mon 9. 9, très bien. Oh, lui on le loupe pas. Ah pas, direct. Boule. Allez. Non! Pas possible, allez! 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 Pouh! Ça y est! Ça y est, on a un 9. Wouah! Je suis heureux. Non, pas sur un 9. Ouf, et ben voilà, il me restait 96 pas. Paras. Donc il y a encore pas mal de Pokémon qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu capturer ici. Je crois qu'on a des Kangorex, le Rhinocorn, les Nidorino, Nidorina, etc. Mais c'est pas bien grave. Mon Evoli s'est transformé en une Pyroli. Oh, moi aussi. Bah parce que ça dépend de la pierre que tu lui donnes. Tu peux garder tous les objets trouvés dans le coin. Mais ne perds pas de temps à tous ces essayer. Ouais, non mais t'inquiète. Combien de pas? 49. Ça va. Et si, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Ouf, bonne chasse. Allez, à plus tard. Bon bah là, c'est le moment de faire ce qu'il faut. Ampiflore, coupe. Je crois que notre neuf est déjà plus fort qu'Ampiflore, donc c'est pas mal. Elle est où la maison du mec là? Ah oui, elle est là-bas. On fait ça un petit, en accélérant petit à petit. Bonjour monsieur, je suis le grand frère du maître pêcheur. Moi un truc c'est la pêche. T'aimes la pêche petit? Oui. Cool, t'as l'air d'un bon gars. Prends ça. Que le grand pêche soit avec toi petit. Ah ben j'ai la super canne, c'est génial. C'était pas prévu mais c'est cool. Y'a un truc dans la poubelle là? Non, rien du tout. Ah, c'est lui Ramos. Narco donne la dent d'or au gardien. Le gardien peut remettre son dentier. Merci gamin, c'est un peu dur de me faire comprendre. Je pouvais plus travailler, quelle horreur. Tiens, voilà pour te remercier. J'en sois la CS4. OBG. CS4. Elle contient force. Ouais. Et je vais la prendre à... Je sais pas. Tortank. Morsure, allez. Voilà, comme ça c'est très bien. Pokémon, Tortank, force. Hop là. Et voilà. Super bonbon. Wow, bah là. On va pas attendre, on va l'utiliser directement. Sur notre Tortank, niveau 42 Tortank. Coup de crâne, eh ben tchè. Non.
Voilà, j'ai pas pris coup de crâne. Voilà, donc maintenant on va retourner au centre Pokémon, on va récupérer notre 9. Hop, je fais ça en accéléré, hein, toujours, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, PC de Léo. Stocké. Ampifort. Retirer. 9. Niveau 25. Alors. Pokémon. 9. Stat. Alors. Il a quoi comme attaque? Pilonnage. Hypnose. Et protection. Alors, excusez-moi. Je vais juste regarder un petit truc très rapidement. Il lui manque 2500 expériences pour monter au niveau prochain. D'accord, jusque-là tout va bien. Alors, quelle attaque est-ce qu'il va apprendre et dans quel ordre, etc. etc. Alors, Neuneuf apprendra... Vampigraine au niveau 28, donc dans 3 niveaux. Donc ça, ça veut dire... Que mince. Ordre, hop, voilà, ça veut dire ça. Tout simplement. Ça veut dire aussi que je vais en profiter pour faire une petite sauvegarde. Et... Ça veut dire aussi que... PC de Marco. Non. Retirer objet. Là, c'était 21. Hop. Objet. Méga sensu. Apprendre méga sensu un Pokémon. Ouais. Et ah, il peut pas l'apprendre encore, le 9. Ah, là, je suis deg, là. Bon, on va le stocker. On va restocker un CD21. On va stocker aussi la CS4. Et je crois que pour le moment, ce sera tout. On va re-sauvegarder, comme je sauvegarde tout le temps. On manie chez moi, hein. Toc, et on va essayer de se faire cette arène là. Tiens donc. Alors, la force, la stratégie. Tiens par là, pas bouger et mange ta mandale. D'accord. D'accord, bon. Écoute. Jongleur veut se battre, il a qu'un seul Pokémon. Hypnomade, mais il est niveau combien par contre? 38! Ouh, hypnose. Oups. Ouh. Pokémon. Il est où mon Tortank là? Tortank. Viens ici Tortank. J'ai besoin de toi de toute urgence. Très urgence. Surf. Non, pourquoi j'ai fait force? Bah, c'est pas grave. Coup de boule. Surf. Bon, choc mental. Je crois que cette arène n'allait pas encore pour moi. Ouais, je crois que j'ai encore du progrès à faire là. Niveau 38, bon, voilà quoi. J'ai quand même vaincu Jongleur. Allez. Je vais être un ninja pour faire ya. Ok. Pokémon, je vais directement changer et prendre Tortank. Voilà, comme ça je fais juste Swift. Je sais pas comment je dis. Ah ben non. Bon, tant pis. C'est...
Bon, j'ai tué en un coup. Coup critique en plus, c'est très bien. Je suis satisfait. Je vais refaire surf encore un coup. Je crois que je suis capable de me faire cette arène. Hein. Ça risque d'être galère, mais je peux le faire. Et voilà. Kadabra, ouais. Je vais reprendre mon E9. Non ! Putain, pourquoi j'ai fait appel à Mew ? Est-ce que laser glace, ça pourrait marcher, tiens. Je suis moi-même, un Pokémon Psy. Tu ne me feras pas grand-chose, Kadabra. Tiens, bon buff pour le délire. C'était nul cette attaque. C'est super fort. Je suis choqué là. C'est méga fort. Putain ouais c'est méga fort. Encore bon buff. Oh merde. Dommage. Coup de boule. Ah moi j'ai kiffé cette attaque bon buff là, sérieux. Ouais, Mewtwo, Mew résiste bien. Je suis fier de mon Mew. Coup critique. Bon. Niveau 27 en plus. Et j'ai vaincu jongleur. A perdu. Bon. On va soigner le petit Pokémon. Parce que... N'empêche qu'ils ont eu mal. Voilà. À bientôt. Bon, cet épisode 15 aura été plein de rebondissements. Tiens, lui, je l'ai pas battu. Crois-tu pouvoir me battre? Haha, Nabo. On aura eu Surf, on aura eu Force, mais on peut pas utiliser Surf. On va se faire une arène qui n'est pas de notre niveau sans avoir fait l'arène de Safrania ni la Sylphcorp de Safrania. N'empêche que... Là, au niveau du jeu en lui-même... Attendez. Au niveau du jeu en lui-même, il nous manque quoi à faire? Franchement, ça... Donc, on bat cette arène. Safrania. Là, la Sylphcorp, je sais pas quoi. Ensuite, il nous faudra retourner à Jadiel, je crois, pour battre la reine de Giovanni. Oui. Ensuite, il nous faudra aller à Cramoisil. À Cramoisil, je crois qu'il y a, il faut trouver la clé ou je sais pas quoi de la reine. Donc il faudra faire la centrale ou je sais plus exactement c'est quoi. Non, c'est pas la centrale. C'est... Je sais plus quoi, il y a les Pokémon type feu il me semble. Ensuite l'arène et ensuite la ligue Pokémon. Je pense me faire la Sylphcorp là en un coup. Donc dans l'épisode 16. Épisode 17, les arènes en tout genre. Ensuite, Cramoisil. 3, 4. Et je pense qu'il faudra aussi que je me fasse la centrale et les îles écumes et tout quand même. Donc dans une dizaine d'épisodes, je pense que notre aventure sur Pokémon se terminera. Donc je suis plutôt satisfait, on a... Ça aura été une bonne aventure. C'est le mec qui est déjà en train de dire c'est fini, on se retrouvera bientôt. Mais on a encore du chemin. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes encore ensemble un petit bout de temps. Oh, soin. Bon buff, haha. T'as pas compté sur bon buff, hein. Regarde, presque un one-shot. Ah, par contre, je souffre du poison. Bon buff. Je refais bon buff au cas où il... Oula, il aurait refait soin ou quoi.
Bon bah voilà, je l'ai tué. Et une neuf qui a toujours pas pris un niveau, hein. À moins que j'ai pas fait gaffe. Non, non, il a toujours pas pris de niveau. Eh, mais une neuf. Allez, on ne te laissera pas mourir, Mew. Ah, tu n'es pas mort. Voilà. Lui, il est bizarre, lui. Un seul Pokémon puissant n'est pas suffisant. Il faut tous les faire évoluer de façon égale. Ah non, je ne suis pas d'accord. Si tu veux que je peux terminer le jeu avec juste un Rattata niveau 100, hein, moi ça me dérange pas. Mais c'est moche. Mais tu n'es pas obligé de tous les faire évoluer ou quoi, comme tu me dis. Hein. Donc là, c'est censé être un labyrinthe, en fait. Sauf que, je sais pas, sur l'émulateur, bah regardez, on voit les petits points par terre. Donc c'est même pas un labyrinthe. On voit comme s'il y avait des murs, donc... on sait où est-ce qu'il faut passer. Donc c'est complètement du fail, mais c'est pas grave. Il en a 3, et c'est Dompteur, il fait appel à Arbok. Niveau 33 quand même, hein. Et si j'essaye Hypnose? Est-ce que je l'endors? Et ben voilà, ça a fonctionné. Pokémon, là je vais reprendre mon Mew. Voilà, voilà. Il sort, il dort, il fait un somme, hein, c'est très bien. Nous, ça nous va. Laser Glass. Il fait toujours un somme. Encore Laser Glass. Je sais pas, hein, quand est-ce qu'il va se réveiller ou quoi. Ou bien, il se réveille. Bon buff. Oh non! Et là, du coup, je vais en prendre cher, là. Je vais prendre cher, oh, bon, ça va. Oh non, il est pas mort! Ah là, je suis deg. Oula, oula, oula! Coup critique! Oh, attention à ce que tu me fais quand même. Ultime à point. Et voilà, il est mort. Sablero! On change. Ah merde, pourquoi j'ai mis on change pas? Enfin, c'est pas grave. Laser glace, ça devrait être bien sur lui. C'est très efficace. Voilà, mais il est pas mort. Il me fait tranche quand même. Il me reste un PV quand même. Là, c'est plutôt hard. Mais bon, Mew va prendre mon l'expérience du Sablero, donc c'est bien. Il va même monter au niveau 28, regardez. Donc là, oui, je vais changer de Pokémon. Je vais reprendre mon E9. J'aimerais bien qu'il monte quand même mon E9. Hein. Je vais re-essayer Hypnose. Dark Venin. C'est très efficace. Oh, je suis empoisonné en plus. Bon bah, voilà. Je l'ai endormi. Moi, je souffre un peu de poison. J'en profite pour changer de Pokémon. Et pour prendre mon premier Mew. Celui qui est au niveau 37. Donc lui, il dort, hein, pépère. Nous, on en profite pour lui faire un ultime à point. Ça ira bien, ça, ultime à point. Il fait toujours un somme. Voilà, très bien. Oh, ça y est, Neuneuf au niveau 26, il a pris un niveau. C'est un miracle, là. Et j'ai vaincu Dompteur. Alors là, si je regarde bien, il me reste un dresseur à battre ici. Bonjour. Pas bouger. Nos jolis murs invisibles sont sympas, non? Non. Je me suis même pas laissé avoir... Enfin, je me suis même pas fait prendre, quoi. Voilà. Dans tes murs invisibles. Sablero. En avant, le faune qui est empoisonné. Et je vais pouvoir changer de Pokémon et prendre mon Mew. Hey hey. Darvenin et... Je suis pas empoisonné. Pistolet à eau. Tu devrais pas aimer ça. Hein, Sablero. Hey. Oh non, il est pas mort. J'aurais pris mon Tortank qui aurait été mort avec l'attaque surf. Bon. Il tue ma point. Voilà, très bien. Il va appeler Arbok. Et ouais, je vais changer, je vais reprendre mon E9. Et là, je vais pas tenter le jab, hein. Je vais reprendre mon autre Mew. Quand il sera au niveau 40, il apprendra Psycho.
C'est la toute puissance la plus ultime, la plus totale. Ultima point. Coup critique, bon. J'aurais pensé le one-shotter avec un coup critique, mais enfin bon. Pas bien grave. Coup critique aussi, mais bon. Et j'ai vaincu Dompteur, donc là je vais aller faire soigner mes Pokémon. Il me reste un... Ouais, non. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais essayer de battre lui avant de battre le champion d'arène après. Koga fait partie d'une grande famille de terribles ninjas. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Trop de questions, j'ai mal au crâne, vas-y, déconne pas, mec. Jongleur, il a deux Pokémon. Soporifique. Très bien. Pokémon... Choc mental. Pas très efficace. Bon, ultime point. Ça devrait être... ça devrait bien marcher. Ouais. Ultime point encore un coup. Et ciao ciao soporifique. Coup critique en plus. Très bien. Hypnomade. Oh. Ouais, je vais reprendre mon E9 pour lui faire gagner encore un peu d'expérience, comme d'hab. Hein. Le 9. Pokémon, on rechange, on reprend Mew. Qui devrait pas trop tarder à monter au niveau 38, je pense. Entre aliment avec quoi? Écrase face. Bon, c'est pas grave, je m'en sers pas l'écrase face. Justement, j'avais pour l'idée d'enlever écrase face et de lui mettre coupe maintenant que j'ai viré mon Ampiflore. Ah non, mais sans déconner là. Choc mental. Je pense que ça va être compliqué cette fin de combat là. Ouf, j'ai lancé Ultima Point. Bon, c'est déjà ça de fait. Je souffre du poison. Coup de boule. Je deviens dingue. Je m'inflige des dégâts. Je souffre du poison. Et je meurs. Waouh. Ouais. Ouais, on va galérer. Sans déconner, on va galérer. Surf. Non, on va pas galérer en fait. Ça va. J'ai géré là. J'ai eu de la chance, j'ai bien joué. De pas changer mes Pokémon comme ça. De pas aller les faire soigner, pardon. Ça aurait pu me porter préjudice, mais là en l'occurrence, ça va. J'ai réussi à gérer comme il fallait. Toc. Allez, on va soigner tout ça. On va se faire le champion d'arène. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Riche en bonnes nouvelles. À bientôt, madame. Hop là, arène. Hop, je vais faire une petite sauvegarde. Avant tout, hein, quand même. Voilà, voilà. On se fait s'en accélérer, hein, on connaît le donjon, on a battu tout le monde comme il fallait, tac, tac, tac. Et là, on tombe sur notre ami. Voilà, Koga. Wahaha. Un nain ose me défier? Moi, le grand, le beau, le terrible Koga? Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner. Puisse le point de mes poisons pétrifie de peur la paix et tes petits Pokémon. Ok, j'aurais dû acheter des antidotes. Pas bien grave. Il y en a 4. Smogo. Ouais, ça va le faire. Pokémon. Mew. Brouillard. Bon. Ça, c'est pas très bien, ça. Je vais rater mes attaques, ça veut dire. Ah non, ça va, j'ai réussi, là. Oh, attaque plus. Ça, ça me plaît pas trop, ça, quand même. Faut vite que je vienne à bout de son Smogo. Avant qu'il me porte une attaque. Encore une attaque? Attaque plus? Il veut me one-shot ou quoi? Bah, ça sert à rien, ce que tu fais, mec. Regarde, il est mort, ce Smogo. T'as utilisé deux attaques plus pour rien. Et voilà, 9 au niveau 27, très bien. Gros tas de morve, ouais, je vais en prendre le 9. Même si c'est un combat qui s'annonce plus ou moins compliqué, waouh, niveau 39, ah oui quand même. Je suis toujours d'humeur, voilà,
à mettre mon E9 en premier pour le faire gagner le plus d'expérience possible, même si c'est compliqué, que je perds un tour d'attaque en quelque sorte. C'est pas bien grave. Ultima pour encore un coup. Oh, coup critique, mais ça lui a pas enlevé beaucoup quand même. Je souffre du poison. Il me fait entrave et il va m'enlever quoi? Écrase face. Bon. Je vais tenter mon pistolet à eau. Je sais pas si ça va bien marcher ou pas. Coup critique. Oula, ouais d'accord, ça a rien enlevé. Entrave. Il en a déjà fait un. Ultime un point. Oh non! Bon, le poison, c'est pas bien grave encore. Attaque plus! Ah ah. Sauf si je te tue maintenant. Oh non, il est pas mort. Il souffre du poison. Encore une attaque plus. Si je réussis mon attaque, ça servira à rien. Bon bah voilà. Il a gaspillé 4 attaques plus depuis le début du combat pour rien. Rien du tout, mais vraiment rien quoi. C'est complètement inutile. Il va appeler Smogo. Ouais, je rechange et je remets mon E9. Donc, on va rechanger Pokémon et on va reprendre Mew, encore un coup. Hein, voilà. Notre beau, le grand, le puissant Mew. Qui souffre toujours du poison, mais c'est pas bien grave. Purée de poids, bon. Je suis déjà empoisonné. Donc là, je vais juste prendre des dégâts. Ultime à point. Très bien. Toujours ultime à point. Super précision, mais c'est pas trop grave. Très bien. On reprend les 9. On rechange. Tortank. Parce que là, Smogo 43, ça pique un peu. Beaucoup même. Donc là, surf. Je pense qu'on va y arriver. À l'aise. Même s'il a fait une attaque plus, qui, encore une fois de plus, ne servira à rien. Donc, 5 attaques plus dans le vent. Oula, pardon. 6 attaques plus dans le vent. On finit avec force. Et on bat très facilement notre adversaire du jour. Koga. Quoi, tu as prouvé ta valeur. Ouvre ta mimine, car voici le badge âme. Et je gagne 4257 Poké-dollars. Le badge âme fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser... Surf, ah bah voilà, c'est ce qui me manquait pour faire surf. Attends, prends aussi ceci. C'était 6. C'est toxique. C'est secret et sacré. Et vieille d'au moins 400 ans. Je te jure. Mytho. Allez, on ressort de cet endroit. Et puis, on va en terminer ici pour ce 15e épisode. Donc on aura fait pas mal de choses, je suis vraiment content. C'est un épisode riche. Pas très très long, mais riche. Riche en combat, riche en acquisition de techniques, et tout ce qu'il faut. Voilà, donc je sauvegarde. Et puis je vous dis donc à très très bientôt pour le 16e épisode de Pokémon version bleue. Voilà. Allez, salut tout le monde.